Salut YouTube, le soir YouTube. Attends, regarde, ils te disent bonsoir. Regarde, ouais, ils te disent bonsoir YouTube. Regarde. Ouais, on parlait de milliards là, juste avant, on parlait de milliards. Les milliards de Microsoft. Mais ça, ah, tu vois, oh là là, oh là là, voilà. Bon, écoute pas. Ouais, mais écoute pas. Regarde pas, c'est pas grave YouTube. Voilà, non, chut, calmez-vous. Oh là là là. On peut pas laisser 2 secondes, ils disent bonjour, puis après c'est des sauvages, quoi. Bon, excuse-moi, YouTube. Bon, on retourne sur Out of White, épisode 6, si je ne m'amuse. Je suis un peu malade, est-ce que tu peux le constater? Ça ne m'empêche pas d'être là, d'être présent, toujours debout, toujours prêt à partir en expédition. On s'est bardi. On s'est bardi. Réveillons-nous. Oh. Putain, je peux pas faire ça. Non, ça, je peux pas me réveiller, je peux pas respirer. Alors, on se rappelle, hein. On se rappelle que on regarde le journal. On regarde le journal avant de faire quoi que ce fût. La dernière fois, on met une combinaison aussi, sinon on meurt comme un caca. Ah ouais. Ouais, tu veux du fromage? Demande, quel est ton fromage préféré YouTube? Voilà, je n'en dirai pas plus. Je garde pour moi la suite de la phrase. C'est beaucoup trop personnel. Oh, on avait découvert des choses visiblement. Non. Pas du tout, apparemment. On va gentiment se faire foutre. Il n'y a pas... Y a pas de truc vert là. Ah non, mais on avait peut-être regardé la dernière fois. Je sais plus, je suis confus. La maladie me confuse. Me confuse. Je suis confusé. Mais je voulais faire un truc. Je voulais. J'avais deux trucs. Ah, je sais plus ce que c'est. Non! Ah, mais c'est la maladie, hein. C'est la maladie, hein. Je me souviens de un truc. C'était de se s'occuper. De se s'occuper du de l'intrus. Where is he? Where is the intruders? Il est là. Ouais. Je te dirai pas de ce qu'ils disent à YouTube sur toi, hein, parce que là, je te montre pas. Je trouve ça terrible. Je suis choqué moi-même. Je connais pas ce chat. Ah, il est là. The intruder. Est-ce que... Ah, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa trajectoire? Il tourne around? Est-ce qu'il tourne around? Mais qu'est-ce que je fous aussi loin, moi? Il va pas très vite, hein. En fait, la dernière fois, on était allé sur l'intrus, on s'était posé dessus. Et on avait découvert quoi? Qu'est-ce qu'on avait découvert? On va se prendre une planète, là, non? Ah, t'es sûr, hein? C'est quoi ici? On connaît. Là, c'est son bronze. Ah, c'est beau. Ah, écoutez, vous pouvez prendre des photos, hein. Attendez, excusez-moi, c'est un moment important quand même. C'est un moment important pour avoir un grand angle. Excuse-moi YouTube, juste 2 secondes, je fais mon kekos avec mon décor. Ah non, on voit moins là. Ah, c'est plus là. Ah ouais. Ah merci Madame Fromage. Madame Fromage qui aime le décor. Ah, du coup, je le mets sur YouTube, hein, histoire que, que j'ai un souvenir. Comme ça, je pourrais montrer à mes enfants, moi aussi, pour la postérité, exactement. Pour dire, regarde mon fils, ma fille, regarde. Ton père, il a eu de la notoriété à un moment donné. C'est extraordinaire. Merci, Madame Fromage. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Ah, tout à fait, absolument. Ah, les rétrofusées,
Est-ce qu'on se rapproche du soleil ou pas? Parce que voilà, c'est ça, on a vu. On a vu, hein. On a vu que quand il se rapprochait du soleil, ça fondait. On se pose. En douceur, on avait dit en douceur, là. Bon, ça fait longtemps, hein. c'est la maladie, hein. Ne m'en voulez pas. Ça a fondu ou pas? Non, ça n'a pas fondu. Pas un cœur. Où sommes-nous? Ça va assez vite quand même. Ça va assez vite. Ah, j'en sais rien, c'est vous, hein. Allez, les primes, c'est à partir de 50 followers. Là, il y en a 39. Ah voilà, il faut que tu demandes à ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Ça fond. It's fond. Ah voilà, c'est ça. C'est là. Ah mais putain, c'est là en plus. Non, c'est pas là. Si, c'est là. Pardon. Où est-ce que je vais là? Oh là là. Où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on est? Au secours. Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? L'appareil photo. On peut pas rentrer là, c'est ça? Oh non non non! Oh non, pas le décès comme ça! Pas comme ça! Pas comme ça, Zinedine. Oh non! Oh, je suis... Mais j'ai glissé! Ça glisse là, la glace, ça glisse! Putain, fais chier! C'est pas moi, c'est le Covid, quoi! Oh là là, on était si bien là! Il était si bien parti, cette session! Excuse-moi, YouTube! Hein. Pas vous, à vous, finalement! Oh merde, pardon! Excusez-moi! J'ai dit dans le titre, c'était compliqué, hein, c'est compliqué. Bon, alors voilà, on l'a refait, hein. Bon, oui, bonjour YouTube, tatata, oui, tatata, ouais, super, on va regarder le truc, et je pensais à faire quelque chose, voilà. On reprend maintenant, hein. Hop là, non. Ah non, parce que ça sent la boulette. On l'a déjà faite, ça, là. On l'a déjà faite. On a déjà fait cette boulette. Bon, alors, attends. Plus sérieusement, là. The Intruder. Allez, c'est parti. On cherche l'intrus. On se pose dessus. On essaie de pas mourir dessus. D'accord? Hein? On ne va pas dans le chemin. Est-ce qu'on peut mettre le pilotage automatique, là? Oui. J'ai envie de dire oui. Allez, comme si de rien n'était, hein. Sinon, vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Tout va bien pour vous? Moi, j'ai le nez qui cule un peu, hein. Ah, je sais ce que je vais faire, t'as. Je vais anticiper. Je vais prendre une petite pastille. Je sens que... de dire des conneries... Et Dieu sait que j'en dis, putain. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais... c'est parce que j'en dis beaucoup des conneries. Let's go. Let's go to the intruders. Sans décéder. En tout cas, on a trouvé le truc. Bon, déjà, ça commence bien. Bon, je sais que je voulais... La dernière fois, quand on est parti... Non, mais tu... Allô? Qu'est-ce qu'il fait, le pilotage automatique? Ah ouais, mais quand il dit « je t'amène à l'intruders », il déconne de zéro, le pilotage automatique. Ok. On s'est arrêté là, comme ça, là. Ok, je crois qu'on est arrivé à destination. Ok. C'est bon, là, une combinaison. Bon. Donc, tout à l'heure, on disait oui. La drogue. Stop à la drogue, comme dirait... Tu veux du fromage? Moi, ton pseudo, il me trigger à chaque fois. Parce que je me pose vraiment la question, du coup. Et du coup, je... Non, toujours pas, non. Du coup, je te trouve un peu insistant. Quand tu poses... tu postes un message, je te trouve insistant. Non, merci. Merci pour le fromage. Ah oui, bien sûr. Je me doute, hein, ça marche. Sache que ça marche.
C'est où? Où est-ce qu'on était tout à l'heure? On s'est posé à la vitesse de l'éclair là, mais. Oh là là, attends, attends, doucement, doucement là, disparaît pas comme ça. C'est là, non? Dans les Renewer. On est où? Where is the sun? Ah, on se rapproche du soleil là. It's gonna be soon. It's gonna be soon. Attention, hein. On est chaud là, je suis prêt là. Oh, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça commence là. Ça commence. Ah, vous voyez, je glisse tout seul là. Je fais rien, je glisse tout seul. Elle est où? Là, on est allé là. On avait fait du. On avait fait du ski là. On avait fait de la luge. Donc là, on va pas là. Papa, t'es où? Pas là. On va aller là peut-être. Oh là là! Oh! Quoi? Bah, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vraiment? Du coup, on peut rester là tranquillou. Alors attends, par contre. Ok, là on peut y aller. Là, c'est pas trop la merde. Et de l'oxygène, on peut rester là pendant des heures. Il m'a donné la fièvre pendant des heures. Non, ça c'était avant-hier ça. Avant-hier, j'étais pas bien, hein. Je vous avoue, je passe les détails, mais j'étais moyen. J'ai connu mieux. Qu'est-ce que c'est? Mon dieu. Mes relevés d'énergie ont gagné en intensité. Mais pas ici, excusez-moi. Mes relevés d'énergie ont gagné en intensité, maintenant que nous sommes sous la surface. Quoi que ce soit, ça doit se trouver quelque part là-dessous, près du cœur de la comète. Et je commence à me demander si ce ne serait pas plus dangereux que nous, c'est, ah oui, que nous le pensions. Clary, tu nous reçois? Oui, mais plus faiblement. Je crains que nous ne perdions entièrement le contact si vous vous aventurez plus profondément. Dieu. Tu es trop dans la comète, t'as vu ça? Tu es trop dans la comète, pas de vie, tranquillou. Un peu frisqué, mais pendant l'été, c'est très 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 agréable, hein, vraiment très sympa. Vous avez autant d'oxygène que vous le voulez, ce qui est plutôt une option luxueuse dans l'espace, hein. Autant se le dire, hein. On est sur quelque chose d'assez qualitatif. Oui, mais plus faiblement, je crains que nous perdions tellement le contexte si vous en étiez plus profondément. Et garde les moteurs de la navette allumés, Clary. Nous rentrons dès que nous avons identifié l'origine de ces relevés d'énergie. Mais tout à fait, ça peut pas mal se passer. J'ai bien compris, mais soyez prudentes, toutes les deux. Ah, d'accord. Ok. Bon. On a plusieurs chemins. En partant de la gauche à la droite, nous avons quatre chemins. On commence par lequel? 1, 2, 3, soleil. À gauche. Tout à gauche? The first one? À gauche. Ça glisse. Ça glisse. Ah non! 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 Je peux rien faire. Ah si, c'est bon. Oh! Ah, faut y aller doucement en fait. Hein. Faut vraiment y aller doucement. Hein. Non, je suis pas de droite. C'est faux. Oh là là, oh là, oh là. Attends. Ouais, j'ai... T'as vu ça? Salut Mr. Sleven. Comment vas-tu? Ouais, voilà, ouais, mais Ah non! Ouais. Attention, hein. J'y vais doucement, là. Là, j'y vais doucement, là. Je... Ah, ah, ah! Oh, 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 la belle prise. Oh, la belle prise. Calmez-vous, calmez-vous. Ok. Où sommes-nous? Ah, je vais renifler. Hein. Soir. Ah non. Ah bah oui, mais quoi? Comment ça? Ah, c'est la baise. Pardon, c'est pas moi. C'est faux. Comment vas-tu, Mr. Slaven? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il chez toi? Chez toi, en Californie. C'est ça, hein?
Comment ça, j'ai pas pris des notes? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Faut que je change de papier, j'ai plus de place. Ça, c'est pas bien, ça. Ah non, c'est pas le bon stylo. Attends le jeu, attends. Attends, YouTube. Ah, pardon, YouTube. Il faut que je m'occupe de Twitch. Ce sont deux choses très, très, très significatives et très importantes pour moi. Les deux, hein, les deux. Et il est midi en Californie. C'est ça, c'est en Californie, hein. Mister Slaven. Slaven. Habite en Californie. Abiche, ma biche. C'est noté. C'est noté. C'est pris. C'est pris. Rendez-vous est pris. Attention, je reviens. Oh, ça va être long ce soir. Ce soir, je vous préviens, ça va être long. Sans fromage et sans biche, tu fais à manger? Terrible. Tu vas en décevoir certains, si je vois ce que je veux dire. Comment... Est-ce que vraiment, là, le gros truc... On va y aller, on va pas aller là. On est d'accord que là, c'est juste de la... C'est juste de l'arnaque. Est-ce qu'on peut aller là-haut? Attends, là-haut, là, y'a pas un truc là-haut? Attends, doucement, calmate. Attends. Là-haut, y'a un truc là, non? Oh! Aurait-on découvert un peu de secret, hein? Ou pas, on va se calmer. À proximité. Ah, ils nous ont fait genre... les secrets. Je le sens pas. Non. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Ah! Attention! On n'est pas mort. Oh. Une petite biche au Saint-Marcellin. Ah ouais. Ah ouais. La comète qui nous veut la, qui veut notre mort quoi. C'est exactement ça. Ouais mais jusque là on a déjoué ses pièges. Les plus fourbes. Ah, tu t'es fait une petite tête. Il s'est fait une petite tête. Ça va? Ça va, Michel? T'es juste à côté de ma fusée, apparemment, hein? Tu veux piquer ma fusée ou quoi? On peut pas faire un truc avec ça? Tu fais de la musique? Non, visiblement pas. Ouais, faut rentrer dans la crevasse, là? Vraiment? Oh là. Bon, on y va, hein. Let's go, hein. Oula. Comment ça? Bonjour. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Putain, j'ai plus d'oxygène bientôt, là. Le cœur de la comète. The Heart of the Comet. Ah, il y a un truc là. Comment on se stabilise? Stabilisation. Ah oui, c'est là. Vite! Cette enveloppe de pierre sphérique semble être la source de l'énergie que nous avons relevée. Non, je dirais plutôt que la source se trouve à l'intérieur de cette pierre. Je détecte une sorte de matière exotique. Oulala! Oulala! 4. Cette pierre atténue fortement les relevés que nous recevons. Il devrait être au moins 10 fois supérieur à ce que l'on voit actuellement. Paille, je pense qu'il vaut mieux éviter d'interagir avec cette matière. Pour autant que je sache, un contact direct serait probablement fatal. Ah, visiblement, vous n'avez pas kiffé, ouais.
c'est faux, tout va bien. Je n'ai jamais rencontré une coque de ce genre, mais c'est notre seul rempart face à ce qu'elle renferme. Et le pire, c'est que cette matière est incroyablement volatile. Quoi ? Et nous on est là tranquille, en train de discuter. Paille, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe de pierre. Mais ça n'est pas seulement instable, cette matière est soumise à une pression de plusieurs tonnes. Regarde les relevés d'intensité. Je n'ai jamais rien vu d'aussi compact. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Sa magnitude est bien supérieure à ce que j'envisageais. Si la pierre venait à céder, la matière mortelle qu'elle renferme se répandrait à une vitesse, à une telle vitesse qu'elle engloutirait tout ce système stellaire en un instant. Et la pression... Grave. Et la pression... tout le système stellaire en un instant et la pression ne cesse de croître à mesure que la comète s'en approche. Mon Dieu ! Non mais ça va... C'est Magnétophone qui discute avec moi, c'est pas moi qui discute avec Magnétophone, tout va bien. Retourne immédiatement à la navette. Vite, prends la clé. Il faut prévenir nos camarades du terrible danger qui les menace. Pose ton matériel et pars. Cours. Cours, Michel, cours, Forrest. Que fais-tu, Pai? Comment ça? Eh, t'as dit de te barrer. T'as dit de te barrer. Plus l'on sera sur cette xénomatière, meilleures seront nos chances de survie. Je vais essayer d'en apprendre le plus possible. Va prévenir les autres. Ils pourront peut-être construire un abri. Allez, pourc. Maintenant. Ouais, t'en as pris plus ou pas? Qu'est-ce que je suis censé faire ici? Qu'est-ce que je suis censé faire ici? Je ne sais même plus d'où je suis arrivé. De là, non? Oh ouais, d'accord, j'ai compris, tu vas pas là. Alors, je suis arrivé d'où? Ah non, je suis arrivé de là, de la faille. Là non. Mais qu'est-ce que vous voulez que... quoi? Est-ce que je rate un truc ou... parce que moi c'est Bigleman hein, des fois, Bigleman... puissance 1000 hein. Et c'était quoi comme espèce? Ils avaient pas de tête en fait? Salut les gars. Votre tête elle sortait d'où en fait là? Ouais. Touche la pierre peut-être. C'est une bonne idée ça. T'en as d'autres comme ça? Attends. Hop là. Je sais pas... Allô? Pas du tout. Non, arrête. Allons au cœur du centre de du cœur. Est-ce que ça fait quelque chose ça? Non mais ça c'est Michel qui siffle. Tu aimes l'aventure? Où sommes-nous? Nous sommes près du soleil? Est-ce qu'il se passe quelque chose? 60. Bordel, qu'est-ce que c'est? J'ai vu un truc passer. Et moi ou j'ai vu un truc passer? Ah vite. Elle est où la faille? Ah ouais mais est-ce que j'aurais le temps de remonter là ou pas? Pas du tout hein, je vais juste mourir là. Ça paraît peu probable d'arriver jusqu'en haut. J'ai trop traîné là. J'ai trop traîné. Oui. J'ai trop traîné. Je vais crever comme un caca. C'est sûr, je vais pas y arriver. Ah et merde. Comment ça le mec a bougé? Non! Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Salut Ayou. Ah, c'est beau.
Je viens de rentrer du boulot, je m'incruste un peu sur ton stream pour faire coucou. C'est beau, bienvenue à toi. Bienvenido a Miami. Ah, c'est beau. C'est la pierre qui a bougé, je crois. Ah non, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu, je suis avec le man. On y retourne, on essaie de voir ce qu'il en retourne. Mais on n'a pas beaucoup d'oxygène. Oh là 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 là. Et Darkantus qui accueille les gens comme il se doit. C'est beau. Mais tout le monde est en forme, à part moi. Non mais en vrai je suis en forme, ça va quand même hein, pour une béninouée. Soir. Ou soir. Est-ce que tu veux du fromage Ayu Ayumi parce que là tu es un adepte de fromage ici. Bonsoir petit chat. Oh il est mignon ce petit chat. Il est acquis ce petit chat. Ça m'intrigue. Ah c'est un truc de Twitch. Je savais même pas qu'il y avait un petit chat comme ça. Est-ce que c'est pas ça? Oui. Allons voir. Mais peut-être que j'ai rien à foutre là hein. Mais en vrai je sais pas ce que je ferais d'autre. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? C'est Goku. Goku le chat. Oh c'est mignon. C'est beau. Ça fait une petite couleur alors. Miaou. Oui. T'as fini le jeu, t'avais fini le jeu, je crois que dimanche. Ah ouais, mais tu viens me titiller là. Tu viens me poke-poker avec ta connaissance. Est-ce que tu. Alors attends, parce que j'ai pas envie de rester là pendant 60 ans, le faire 60 fois pour rien. Peut-être. Non, tu peux pas. Non, arrête, c'est faux. Tu peux pas spoil. Lui là, Darkantus, c'est un expert en spoilitude. Doucement, arrête. Arrête, toi tu me le fais le coup à chaque fois là. Tu fonces dessus. Et je me poke-poke là avec le. Avec l'intruders. Ah bah oui. Ah bah c'est beau ça. Pourquoi il s'arrête? Ah. J'ai envie de te demander mais j'ai pas envie de savoir là. Tu sais un truc que je sais pas. Oui mais ça... Est-ce qu'on va faire un petit atterrissage? C'est où? Là, descendons. Bonjour monsieur l'intrus. Jean-Michel l'intrus. Moi j'avais jamais vu que ça faisait ça. Boum. 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 Ah je sais, je sais. Mais en même temps c'est pour ça qu'on regarde... Ah on peut tourner là? Ah oui d'accord. Non mais ça va, ça va, ça va. Restez là, restez là, restez là. Calmez-vous. On a mis... Après, on a quand même d'autres trucs à faire, parce qu'il y avait deux chemins. Là, il y avait un chemin qui partait vers la gauche et un autre chemin qui partait... deux autres chemins qui étaient vers la droite. On va... C'est où? Là. Non, ça c'est le cul, ça. Le cul de la comète? On est où, là? En termes de... Non, c'était là. Non, mais pour l'instant, non. Si vraiment on passe une heure à pas savoir quoi faire, peut-être... Peut-être... Ah ça y est, déjà? Mais c'est très bien ça. Putain, pardon, il y a des intonations. Ma gorge, elle veut pas. Donc là, on n'y va pas. Non si, je sais plus. C'est là où on n'y va pas. Mais là... Mais non, on vient de là. Des bilors. Ah, bienvenue à vous en tout cas, hein. Sachez qu'on avance. Alors, on n'est pas allé... On est allé là. J'essaie de vous épargner. On est allé là. Est-ce que je retourne là, de nouveau, ou j'essaye un autre chemin? On essaye un autre chemin peut-être, non? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs là-bas... Alors je suis vraiment Bigleman, ce qui est le cas, je suis Bigleman.
Je vois pas tout. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie un des deux de droite, là? Ah! Ouais, je vais prendre ça pour un oui. Tous les chemins mènent à Rome, ça veut dire oui. Ça veut dire vas-y. Attaque la pente. Mais j'y vais doucement. Hein. Je vous préviens, je vais faire du ski, mais tranquille. Hein. Est-ce que c'est la baise ou pas? Est-ce que c'est... Is it the baise? Non! Non! Ah! Ah! Ouais, ok, y a pas le choix en fait. Parce qu'après... Eh non, tous les chemins mènent pas du tout à Rome en fait. Hein. Parce que là... Là j'imagine ça tourne à gauche. Oui, c'est le même. Oui, c'est ça, c'est pareil. Oui, d'accord, ok. Voilà, comment perdre du temps. Ok, donc c'est forcément là. On prend l'oxygène. Allez, on y retourne. On prend les photos. Parce qu'après... Doucement quand même. Évidemment, là, c'est n'importe quoi. Mais par contre, c'était là-haut, c'est ça ? Aïe, fait mal à la tête. Et là, c'est pareil. Oui, là, c'était Jean-Michel. Jean-Michel Lafaille. Ah non ! Oui, c'est ça. On passe à gauche. On fait du slalom. Là, on tourne. On lève un peu le truc. On se casse le crâne. C'est parfait. C'est parfait. Non mais après, en vrai, t'as raison. Après, tous les chemins mènent au même endroit. Au cœur de la cumette. Bon. On s'est pas rapproché des... On s'en fout. On s'est pas rapproché... Parce que là, on a beau se mettre même au milieu. Qu'est-ce qui se passe là? Je passe au travers? Oui. On a beau se mettre au milieu, ça nous fait rien, ça nous fait que de. On est d'accord que là, on va pas aimer, on va pas kiffer. C'est bizarre, elle est pas comme d'hab. C'est tentant d'aller gratter. Non. Ah ouais, il devait me rester 2 PV. Bon, mais y a rien à faire là, en vrai. Salut Kroll. Comment vas-tu, Kroll? Bienvenido. Tu arrives, c'est le décès. Yo, je sais pas pour faire un... Non. non. Ah, ce sera un emote, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a un truc qui vient de tomber juste là. C'est moi? Qu'est-ce que c'était? Non, c'est moi, isolation. Mais y a pas un truc bleu là qui vient de popper juste là? Ma gueule. Ah, on lui a pas parlé à lui au fait. Parce qu'on a découvert des trucs sur son bronze. Voilà. Ah, c'est l'épopée de Croinator, le rangement de bureau.
Hop, petit atterrissage spécial NASA. Hop là, c'était beau là, c'était beau. En vérité, c'était un bel atterrissage. C'est juste que... Voilà. Courage à toi, Kroll. On a découvert des trucs. Noyau rompu. C'est pas bon ça, quand même. J'ai découvert les deux membres disparus de l'équipage de la navette. No man, no man, no man, no man, no man. C'est dommage qu'il n'y ait pas de Jelly. Purée, Kroll, encore tu laisses des messages qui deviennent des... comment t'appelles ça? Des liens hypertextes. That's chelou. La claquitude. La claquitude.com. C'est rigolo ça. Ah, je m'en plains pas, c'est pas grave. Hein. Alors, j'ai retrouvé les deux membres disparus de l'équipage de la navette No Man No Man. Près d'un rocher brisé qui semblait avoir implosé. Les nomades suivirent la piste des relevés d'énergie jusqu'à atteindre une enveloppe rocheuse de forme sphérique contenant une matière inconnue. Ils constatèrent que cette étrange matière était mortelle et soumise à une très forte pression. Si la pierre venait à céder, la matière étrange qu'elle renfermait se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait le système solaire tout entier en un instant. L'un des Nomanomanei resta sur place pour étudier la xénomatière. Son compagnon s'empressa de remonter à la surface pour avertir les autres Nomae. Terrible. Il reste des choses à explorer ici. Fais chier. Ah. Toi aussi, tu l'as dans la tête. Là, no man, no man. Faudrait qu'on l'écoute, hein. Faudrait qu'on écoute cette chanson pour de vrai. Pour vraiment se rappeler de l'originel. L'originel. L'original, déjà, ce sera pas mal. C'est le titan originel. Non. Calmez-vous, c'est pas prévu. Non, je vais pas faire ça à YouTube, vous encore, bon, on s'en fout. Ah non. Non, je vais aller voir Michel. Michel, viens voir. Je me désabonne direct, mais t'es pas abonné. Salut, petite Pierre. Je croyais que t'as envoyé ton tas de ferrailles dans l'espace aujourd'hui. Bon, on s'en fout. C'était une graine de son bronze, mais on le sait. Pourquoi tu poses la question? On le sait, comment on s'en va? Oh là 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 là. Oh le jeu quoi. Il est passé de 24 sur 20 à 22 sur 20 quoi. La chute. La déception. Ouais, ils disent qu'on a encore des trucs à découvrir là-dessus là. Est-ce qu'il y a des trucs à regarder là? Est-ce que j'ai raté des choses ici? Comment ça quand on sait pas piloter? Vas-y, viens, prends les commandes toi. Je te regarde. Vas-y. Ouais. Oh là là. Elle se rebelle là, se rebiffe. Elle se rebiffe. The Intruders. Là. C'est le bureau. Bonne excuse. Je suis ici. C'est moi ou on va directement dans le soleil là? Non. Compliqué là, je suis arrivé trop tard. Ça va être compliqué de se poser dessus là, hein, en vérité. À moins que...
que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tard? Bah quand on sait pas piloter... On pourrait croire que je suis triste parce que j'ai cassé la fusée, mais je suis triste parce que ça va donner raison à quelqu'un. Et ça... Ça c'est terrible. Ah ça... Putain, il va falloir qu'on attende, qu'on poirote là. Ah, j'aurais pas dû aller essayer de parler à... Oups. Oups. Mais non, mais non, mais non, mais non. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que... C'est pas souvent qu'il fait ce bruit-là. Ouais, tu vois, ça va beaucoup mieux, là. T'es en forme. Bon. Essayons un petit peu de méthodologie là. Qu'est-ce qu'il y a des choses à... Où est-ce qu'il y a des trucs à faire? Est-ce qu'on le voit là ou pas? Quantique. C'est quoi la lanterne? Ah, on n'y est pas allé là? Gravité. Bah. Il y a des trucs à découvrir là-dessus? Attends, tant pis. Cassons-nous. De toute façon, on était loin du soleil, non? Oh ouais, c'est bon, c'est trop long. Where is gravity? Voilà. Quel talent. Commençons par ça. En tout cas, on aura quand même... On sait maintenant... Non. Encore, il va nous faire aller dans le soleil. Hein. Il va nous faire aller dans le soleil. Ah oui, la lanterne, c'est ça. Mais tu peux pas te pousser là-dessus. Si. On va tenter, on va demander on va tranquillement demander à ça. Let's go. Faire avec ça. On va pas se prendre une boule dans la tête. Je sais pas. En fait, j'ai regardé, j'essaie de voir là où je suis pas allé, où il y a des trucs encore à découvrir en fait. Parce que là, j'avoue, je ne sais pas du tout où aller pour l'instant. Ça sert à rien, hein. Je crois qu'on peut pas vraiment se poser dessus. À moins qu'elle se vide. Est-ce qu'au fur et à mesure... Est-ce que c'est comme... Comme les sables d'hier? Ah, oui, si, il y a un truc là. Oh. Oh. Non? Vous avez pas vu un truc là? Dans celui-là là? Oui, non?
Ouais, bah non, ah bah non, ouais, c'est sûr que là. Oh, putain, c'est chaud! Comment tu veux rentrer là-dedans? Oh, c'est chaud! C'est mon objectif. Mais on est d'accord qu'il y avait un truc dans ce cratère. Il y avait quelque chose dans ce cratère. Mais comment tu veux te poser? Mais non, mais. Voilà, c'est pas une question d'être un pilote. Faut être. Ça m'étonnerait que ça soit un truc essentiel à l'histoire. Hein. En fait, quand on regarde. Quand on regarde ici. Ça montre qu'il y a des. Tu vois, il y a des trucs. Des trucs encore inconnus. Et des choses encore à découvrir. Genre par exemple ça. C'est quoi? Une grotte quantique? C'est sur quoi ça? Il y a tellement d'infos. Problème, en y jouant 2 fois par semaine, on n'a pas tout. J'ai pas tout en tête. L'hôtel quantique. Mais ça c'est sur gravité, non? Oui, sur gravité quand c'était une fantôme. Ouais. C'est vrai que ça, j'ai pas fait ça. J'ai pas suivi ce signal. On peut faire ça aussi. Il y a le fait de suivre. En tout cas, ça nous amène plutôt sur gravité. Mais là, pour l'instant, vraiment, là, ça m'intrigue suffisamment. Et donc, oui, pardon. Pour t'expliquer, Kroll, on a vu ici, tu vois. On voit toutes les planètes. De voir qu'il y a des choses. Je me suis posé là-dessus, je me suis posé là, là. Et là, visiblement, c'est grisé. Et ça, c'est la lanterne. C'est le. La petite lune qui fait popper de la lave qu'il y a autour de gravité. De la maison de Sandra. Et visiblement, on peut faire quelque chose avec, mais je crois avoir vu de quoi se poser. Si, si. Si, si, l'impératrice. Let's go. Il faudrait vraiment stabiliser. Ah, il y a quatre trucs. Par contre, je saurais pas retrouver lequel c'est. On va vraiment y aller en douceur. Ouais, le problème c'est que ça tourne quoi. D'être mignon les gars, mais. On va regarder hein. Sans mourir. C'est pas celui-là, hein. Je crois pas. C'est là. Ah, c'est super chaud pour se poser dedans, quand même. Non, mais là, les gars, les gars! On est censé vraiment pouvoir se poser là? Ou alors c'est pour se TP, on est censé se TP ici peut-être? Elle crache ton truc là? Pas mal là, on est pas mal là. Elle crache. Le pilotage là. Faites pas ça chez vous, hein. Faites pas ça chez vous, hein. Non, pas comme ça.
Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est autorisé? Oh my god! Oh my god! Ok! On est d'accord, là, il se passe un truc là. Bon, on fait pas cas de ça. Hein. Ah non, ah, me dites pas qu'il y a rien, parce que s'il y a rien, moi je me la coupe. Hein. Y'a pas rien. Non, 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 pas le décès, pas le décès. En vrai, c'était un bel atterrissage, je suis désolé. Attends, j'attends qu'il crache. Merci. J'ai envie de décéder. Aïe. Ah. Incroyable. Atrebois. Oh là là, c'est fou. On a trouvé des trucs. Ami des mines d'Atrebois, le dernier minéral que vous avez envoyé est celui résistant, le plus longtemps à l'exposition directe à la chaleur. Ouais. Pourriez-vous nous en envoyer davantage afin que nous puissions poursuivre nos tests? Nous tentons d'améliorer sa durabilité. Notre forge n'a fait qu'une bouchée de la dernière cargaison. Nous allons immédiatement livrer un autre chargement à la lanterne. Vous devez être fou de joie de vous atteler à la conception de l'enveloppe protectrice du projet Sablière Noire. L'idée d'une capsule résistante, même brièvement à une supernova, a en effet piqué ma curiosité. Ah ouais, d'accord, ouais. Mes remerciements, j'imagine... Ouais, il disait quoi, oui, bravo. bravo. Mes remerciements, j'imagine que nous ne tarderons pas à avoir une estimation de la quantité de minerais nécessaire à l'isolation intégrale du projet Sablière Noire. Est-il possible que cela excède nos prévisions initiales? Considérablement, à n'en pas douter. La fuite la plus minime dans l'enveloppe de protection risquerait de mener à la catastrophe. Nom de Zeus. Teleportation. Oh, on y allait là. Oh, on y allait. C'est Atrebois. C'est dans le truc de Atrebois. Ok. Bon, c'est pas foufou hein, comme info. Quoi? Oui, non, mais c'est ça qui fait ce bruit. Augmentation de l'activité solaire détectée. Ah. Augmentation de l'activité volcanique détectée à lieu désormais inhabitable. Évacuation recommandée. Bah oui, tu m'étonnes. Ok. Mais c'est pas décédé, merci. Eh purée, on l'a fait, hein. On l'a fait, hein. On s'est posé, quoi. On s'est posé dans le cratère. Harun Taziev serait fier de nous. Sauf que je vois pas du tout là où on est. Quand est-ce qu'il tire? Là. On va dire que c'est là. Oui, on a survécu. Donc on a fait celui-là. Est-ce qu'il y en a deux, il y en a d'autres ou pas? En tant qu'on y est là. Salut Arconte. Ah, le lit appelle le lit. C'est beau. Tu es raisonnable. Comme garçon. Ta raisonnabilité m'a ému et je fais un pilotage. Ah, écoute, on vient de faire... un pilotage hors norme, là. On vient de là, on est d'accord, hein. On l'a pas vu, lui. Donc c'est le seul truc. Donc voilà, ok, ça c'est fait. T'aurais pas dit ça? Pourquoi? T'as pas dormi depuis avant-hier? Ah ouais, c'est semi-raisonnable. On est sur de la semi-raisonnabilité.
Hop là. Hop là. On s'est posé en douceur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tac! Site de test volcanique. Les mines Nomai, en effet. Bah aujourd'hui, t'es censé te coucher à 2h du mat, par contre, non? C'est pas ça? L'incitation. Des échantillons de minerais prélevés dans les mines Nomai, d'autres bois furent envoyés à ce volcan pour faire l'objet d'expériences concernant sa durabilité. Les Nomai essayaient de concevoir une enveloppe. Ah! Ah ouais, non, non, pardon. T'as dormi 4 heures. Ah, j'ai rajouté un A parce que mon esprit s'est dit non, c'est faux, il n'a pas dormi 4 heures. Tu as dormi 4 heures et 3 heures en deux nuits, en effet. Alors, va vite te coucher, s'il te plaît. En effet. Prends soin de toi. Oui, sors les boules, Kies. Éteins-moi ce téléphone tout de suite. Ou cet ordinador. Non pas que... Ah! À YouTube, sache que la femme d'Arconte ronfle comme un camion quand elle est enceinte. Voilà. Et si tu regardes cette vidéo, femme d'Arconte... bisous. Bisous à toi. Et bon courage pour cette grossesse. Plus que moi. Un mois de non-sommeil. Après, tu dormiras pas, mais pour d'autres raisons. 2 semaines. Les Nomai essayaient de concevoir une enveloppe qui protégerait brièvement le projet Sablière Noire d'une supernova. Lol. La fuite la plus minime dans l'enveloppe de protection risquée de mener à la catastrophe. Ah, mais là, on était sur le 100% là. Ah merde, j'ai pas suivi le camion. Quel type de camion? Un camion Ben? Ah, j'avais pas vu. J'ai pas vu la remarque pertinente. C'est du bel ouvrage, hein. Oh, c'est du bel ouvrage. Ah, où était cette... Où était... Ça fond pas, ça. D'accord qu'on se rapproche pas du soleil. Non, pas du tout. Où était... On avait dit la pierre, là. What? C'est pas ma fusée. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que le jeu me faisait un troll. Hop là. Il y avait un caillou qui disparaissait là. Attends. Pardon, je suis trompé. Les boutons, excusez-moi, excusez, c'est bon. Alors attends, il y avait ce caillasse qui disparaissait là sur Gravité. Je crois que c'est là, ça c'est Gravité, non? La ligne quantique, traceur, les grottes quantiques. Un sable, un étrange roc errant visible dans les plusieurs grottes. Ah non, c'est la sablière rouge. Damn. La grosse un Nomai du nom de Coléus disparut mystérieusement dans une grotte située au fond du lit du lac asséché. Au pôle nord de la Sablière Rouge. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi à essayer de résoudre. Oh là, il y a tellement de trucs, on va où? Alors attends, cité obscure. La cité Nomai nichée au creux des parois d'une immense caverne souterraine. La cité est construite sur une structure verticale et se compose de 4 secteurs. Ça, on l'avait vu, mais c'est sûr. La Sablière. Peut-être qu'on peut faire ça. Gravité. Observatoire sud. Nomai décidèrent de construire un traceur
Bonne soirée, Arconte. Merci d'être passé. Bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Et boule qui est-ce bien. Je sens qu'il y en a un demain, il va pas se réveiller pour le boulot. À 11h30, il va être là. Oh, j'ai plus endormi. Hein. J'ai rien entendu. Hein. Les nomades décidèrent de construire un traceur oculaire plus grand et sophistiqué au pôle sud de Cravité. Il existe sur la surface de Cravité deux chemins menant à l'observatoire. L'un d'eux part du canon gravitationnel, l'autre de la tour du savoir quantique. Riebeck affirme, en connaissance qu'il est impossible d'accéder à l'observatoire depuis la surface, mais qu'il doit exister un chemin souterrain. Il y a à la surface une porte permettant d'accéder à l'observatoire, mais elle est cassée. Elle est broken. It's broken. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En courant, on sait que les Nomailles travaillent à l'observatoire sud. Le Nomaille, travaillant à l'observatoire sud, réalisa une modélisation de Léviat qui révéla de quelle façon un objet pouvait se retrouver sous le puissant courant océanique. Quoi ? Il y a tout qui est cassé dans ce jeu, ouais. Ouais. Mais ça, par contre, je me souviens pas du tout de ça. Capsule de sauvetage. Ouais. La cité suspendue. Ça, on l'a pas fait, ouais. Il reste des choses à explorer ici. Présence d'un étage franchement rock qui semblait se déplacer lorsque personne ne le regardait. Ah, mais c'est sur Cravité aussi. Forge du trou noir. Les Nomailles façonnaient des générateurs de distorsion à la forge du trou noir, avant de les envoyer sur la sablière noire. Je vais retourner un peu sur Cravité, parce que je ne me souviens pas du tout de ce qui s'y passe. Enfin, je suis sur Cravité, mais j'aimerais pouvoir faire un petit tour of the planet. Qui, c'est moi ou il y a un morceau qui vient de tomber là? Ah, je me suis fait avoir. Et je crois qu'il y a... ouais, il y avait un truc ici. Il y avait un truc ici. Hop, de mémoire. Il y avait un truc ici pour pouvoir accéder au... Là non. Voilà. Parler à certains personnages. Hein. Et si je m'amuse, il ne doit pas être loin d'ailleurs, Jean-Mich. On entend d'ailleurs. Canon gravitationnel. Je sais même pas si on avait regardé tout ça là. Ah, mais il y a des notes, j'avais même pas vu. Ah, bon, c'était vraiment très déplaisant. Mais j'ai réussi à aller jusqu'ici. Je devrais plutôt me concentrer sur cette partie du lieu, au lieu de réfléchir à comment je vais faire pour remonter ce passage plus tard. Cet endroit est tout bonnement incroyable. On dirait que la cité suspendue se trouve au nord d'ici. Et à l'est, il y a un canon gravitationnel. Je veux absolument voir ça. Autre chose. Je détecte de l'oxygène quelque part plus bas. Une bonne chose étant donné que j'ai épuisé presque toutes mes réserves à hurler pendant ma descente. Je suis plus depuis la surface. Dès que ma nausée sera passée, je continuerai à descendre pour aller remplir mes réserves. Comment ça? C'est censé être une carte, ça? Vous êtes très mal fait. Cité suspendue.
Attends, je vais parler à Michel d'abord. Il est où déjà? Atelier cristaux gravitationnels. Plus haut. Mais on vient de là, hein, c'est ça? Peut-être qu'on arrive trop tard là. Ouais, que tout s'écroule un peu sur cette planète. Mais... où allons-nous? Bonjour. Je crois qu'on a déjà fait ça. Hein. J'ai un air de déjà vu. Un air de déjà vu. En plus, on arrive super tard. Tout s'écroule. Ça sent moyen. Sincérité, ça sent moyen, moyen. On a peut-être dû juste aller voir Michel, là. J'en avais l'occasion. Et ce serait pas la cité suspendue, ça, justement? Ça, je connais ici. Hein. Ici, on connaît. Croiser des chemins. Est-ce qu'on a tout vu ici, là? En vérité. En vérité. Oui, on a tout vu, hein. Mais c'était vraiment au début de la partie, alors peut-être qu'on pourra découvrir de nouvelles choses. La fameuse navette. Et ça c'est quoi? C'est cette quoi là au-dessus? On peut pas vraiment choisir. Refromage. Refromage. Tu veux re du fromage? On est sur gravité. Ah, il y a une gravity. Ah. Je crois pas que t'aies loupé des trucs. Là, je cherche. Je cherche des choses à faire. Là, on a fait quand même pas mal de choses. Je pense qu'on n'a pas du tout fini le jeu, mais j'essaie de savoir, ce qui pourrait rester. À... Il reste pas de trucs à faire, évidemment, mais j'essaie de me souvenir. Ça, on l'avait déjà vu. Là, on part. Le problème, c'est qu'on part au pif, quoi. Là, on se TP, on rentre. Est-ce que ton urgence a été réglée, quand même? Tout va bien. J'espère. I hope so. Observatoire sud.
pas fait, on n'a pas fait assez d'observation et d'exploration sur gravité finalement. C'était Just. Ah. Ouais, on arrive un peu tard là. Peut-être pas. Quelle est cette sorcellerie? Je vais l'allonger, elle redescend. Si elle se sent mieux, et je reste aux aguets. C'est beau. C'est beau. Toujours debout, toujours présent. Ah, c'est les compagnons, comment on les aime ceux-là. Bravo. Ouais, ok. Et donc quoi? Est-ce qu'on est déjà venu ici? Ah ouais, t'as raison. Mais c'est beau quand même, hein. Ça me dit rien, cette histoire. Ah. Aïe. Où est-ce qu'on est, là? Ok. Hey, on a découvert un nouveau truc là. En vérité, attends. Où est-ce que je peux aller là? Là-haut? Je peux aller là-haut? Wow. Ok, on vient de là, on va aller là. C'est beau ici, hein. Un peu frisqué, mais c'est beau, hein. Les petits arbres, hein. Les petits arbres. Où est-ce que je vais, là? Où est-ce que je vais? Je sais pas, mais j'y vais, hein. Un petit banc. Un petit banc de muscu. Oh! Il y a des trucs, quand même, hein. Est-ce que c'est par là? Oh, je sais pas. Non! Ah! Ah! Ah d'accord. Myrte. C'était ça. Ah ouais mais non. Ah on aurait pas aimé là, on aurait pas kiffé en vrai. Paf! Finalement c'était le bon choix. Oui? Et après? Ah oui, par là. Non! Ah! Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. T'énerve pas comme ça, t'excite pas. Est-ce qu'on arrive trop tard? Purée, peut-être c'est ça, on arrive trop tard. Tout s'écroule. Tout s'écroule, ma bonne dame. Ah non, non, pas la musique, pas la musique. C'est trop tard. On arrive trop tard. Non. En tout cas, c'est là qu'il faut aller la prochaine fois. Là, je vois pas. Là, je meurs si je fais ça. Hop. Ça. Hein. Donc là. Ouais, ça me dit rien là-haut.
C'est un trou noir. Ouais, il y a un trou noir dans la planète, ouais, au KLM. Tranquille. Ah non! Ah non! On avait découvert un truc là. Ça, je connais pas ça. Non! Si tu vas. Un anus de planète en somme, ouais. Tout à fait. On s'est tapé un peu plus loin, mais ce n'est que pour mieux. Recommencer. Ah. C'est intéressant. Je crois que... Non, ça, je l'avais jamais fait, ça. Ok, je sais où c'est. Je peux y retourner. Je crois. Il est quand même incroyable ce jeu. Tu veux du fromage, toi tu l'as pas fait, hein. C'est ça, on est d'accord, hein, ce jeu, tu connais pas. Par contre, ça me trigger. Ce truc bleu là, il ne va jamais au même endroit. On est censé faire une boucle. On est censé faire plusieurs fois la même chose. Il est censé passer exactement le même truc à chaque fois. Sauf ça. Ça s'est détruit à chaque fois, mais par contre la trajectoire du truc bleu n'est jamais la même. Tout à l'heure là ça a atterri là, c'est passé devant, là c'est parti, c'est passé à gauche, c'était n'importe quoi. Bon. Tu vois, c'est un stagiaire qui a codé le truc bleu là et... Il a fait nawak. Après nous on est perdus. Pas terrible ça. Ah, des nouveaux trucs? Non. Je croyais que quand ça faisait des trucs bleus là comme ça, ça voulait dire qu'il y avait des nouveaux trucs. Peut-être qu'il y a une nouvelle ligne, ah, je sais pas. Si sûrement il devait y avoir un nouveau truc. Peu importe. Alors, Gravidad. What is Gravidad? Tout est là. Incroyable. Alors. La capsule de sauvetage. Doucement, 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 en douceur, on a dit. En douceur et en hauteur. Voilà, on va se mettre là. Magnifique. Magnifique atterrissage. Jamais je n'ai douté. Ok. Ok. Ouais. C'est pas très sécure, hein. C'est pas très sécure ici. Ok, ok. Non, mais pas de problème. Soyez prudent. Sans déconner. Pas du tout là, je voulais aller en fait, c'est ça. Ça revient pas au même. Hein. On sait pas. On va voir. En même temps, mais ça veut dire que là on peut marcher là. Oh là là, atatata. Ça j'ai jamais vu ça. Pour de vrai, ça j'ai jamais vu. Enfin, j'avais jamais fait gaffe en tout cas. Ah mais oui. Ah mais j'y suis jamais allé là. Hop là. Mais oui. Oh mon dieu, la tête à l'envers. Oh là là, on découvre des trucs, hein. C'est gravité, on avait commencé par gravité. Au tout début, là, c'est loin, mais... Il y a encore plein de choses à voir, hein. Oh, mais c'est quand même... Je suis désolé, c'est hallucinant, ce jeu. Je trouve ça exceptionnel de voir ça. De visualiser ça. Bonjour. Ça va sinon? Surtout ne pas utiliser, ne jamais utiliser le jetpack là. Alors là c'est la mort en poule. Ce serait terrible. Bon, ils ont pas mis les petits cristaux juste pour la déco, hein. Hein les gars? Allez filles. Hop, hop. Ah,
on sait pas où on va là, on sait pas. Bon. Comment ça? Dans quel sens nous sommes? Aucune idée. Tout va bien se passer. Accrochez-vous. Toi aussi tu as vomi, c'est normal. Est-ce que j'ai envie de descendre en, tout en bas là? Est-ce que j'ai pas envie d'aller là? Indice maison. Where are we? Oh! C'est une salle de classe. Oh, c'est bien ça, on découvre des choses. C'est bien. Ah, c'est les enfants ça qui écrivent. On sait que c'est les enfants. L'ami, principe des festivals. Tous les clans nomades de l'univers se retrouvent à un endroit pour partager leurs découvertes scientifiques et artistiques. On appelle ça un festival. Félix, à noter que les festivals ont lieu une fois tous les 10 ans. Vous voyez que l'écriture est pas la même. Ça c'est un adulte, et ça c'est un enfant qui a écrit. Un enfant, un abel un enfant. Parfois, une découverte majeure d'un certain clan profite à tous les Nomai. Par exemple, le générateur de distorsion d'Anona nous a permis à tous de voyager encore plus loin. Chaque clan a un émissaire envoyé au festival pour présenter sa meilleure découverte. Notre émissaire c'était Thatch. Un festival donné peut s'étendre sur une très longue période. Nous ne pouvons pas y aller, car nous sommes coincés ici. Mais Philex dit qu'à une époque, nous y participions aussi. Incroyable. Non, s'il vous plaît. Les enfants, la formation de cet univers. Personne ne sait comment cet univers a été créé, mais ce qui est certain, c'est que tous les éléments qui le composaient étaient autrefois d'une chaleur et d'une densité extrêmes, et agglutinés les uns aux autres. En s'étendant, cet univers, naissant, s'est progressivement refroidi, et une fois la bonne température atteinte, ces particules purent se regrouper pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Incroyable. On apprend des choses. Depuis lors, l'espace n'a cessé de s'étendre à une vitesse exponentielle pour atteindre des proportions vertigineuses que nul ne saurait quantifier. Cet univers va continuer de s'agrandir et de refroidir jusqu'à ce qu'un jour les étoiles s'éteignent, toutes avec les formes de vie qu'elles ont vues naître. Cette perspective m'effraie, même si Konoï affirme que cela n'arrivera pas de notre vivant, quand bien même. Cela arrivera à d'autres un jour ou l'autre. Terrible! L'oxygène. Ok. Quoi? Ah bah merci. 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 J'en demandais pas tant, mais je prends. Je prends l'oxygène. Il prend l'oxygène. Ah oui, en effet. Ne pas aller là. Merci, cordialement. Oui, bah non, on va pas tomber maintenant, hein, ce serait con. Ce serait un peu débilo. Matière fantôme à proximité. Ouais, ok. Ah! Là, il y a un truc. Parce qu'on a, y a un petit ascenseur, un ascenseur. Ici, on peut revenir. On peut revenir par là. On peut descendre ici. Ok, let's go. On va descendre, hein, je crois que c'est ça. Hein, y a pas trop le choix là. On peut aller directement en bas, mais je pense qu'on va pouvoir rejoindre. Ok. Restez calme. Calmez-vous. Voilà. Toujours remonter là. Wow. C'est juste pour aller à l'étage au-dessus. Ouais, ok. On va pas trop traîner quand même. Ce serait dommage de
Ici c'est la merde. C'est la merde, waouh. Ok. Allez, on observe, on prend le temps tout en allant vite. Hein, c'est... c'est le mal de notre temps. On prend le temps, mais on va vite, hein. Pas là. Ok. Qu'y a-t-il là-haut? Ah, là-haut. Quel film d'animation. Sous le début. Vous l'avez vu, le film d'animation, là-haut. Avec le papy. Ouais, c'était très touchant. Je trouvais, j'ai trouvé l'introduction de ce film d'animation très touchante. Oh non, non, regarde. Putain, j'ai regardé le chat 2 secondes. J'ai bougé la souris 4 secondes et j'ai failli tomber. Oh, ce qui aurait été terrible. Je m'en serais un peu voulu. Qu'est-ce que... Ah. Ah, on peut marcher là. 1. 2. Ok, ok, ok. Secteur solaire. Ah. Secteur de l'eau de fonte. Ouais. Secteur de l'hôtel de l'œil. Ouais. Secteur de la forge trou noir. On a quoi là? On a découvert des trucs. On avance, hein, on avance, hein. En attendant, on avance, on avance. Donc là, on a quoi? À gauche, on a le secteur solaire. Et le secteur solaire. C'est 2 fois les secteurs solaires? Tu fous ma colle? Et au-dessus, il y a ça. Ça veut dire quoi? Qu'on peut y aller? Il y a des portes? Ah! Ah oui, d'accord. Et là, on peut aller là-dessus. Et là, c'est pareil. Donc, on a quoi en premier? On a dit secteur solaire, secteur de l'eau de fonte. Vous notez, hein? Prenez des notes, vous aussi. Moi, je prends des notes, hein, mais c'est sur vous. Donc, c'est pas dans le jeu. Hein. Moi, je peux pas tout faire. L'hôtel de l'œil et tout en haut, le secteur de la forge. Incroyable. Donc là, normalement, si... Incroyable. C'est faux. C'est vrai qu'il disait qu'il y avait 4 étages. Commande de la forge du trou noir. Oh la lame. Oh la lame. Oh la 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 la. Ouais, d'accord, ok, ouais. Non mais comment je suis passé à côté de ça au tout début? C'est incroyable. C'est fou. I'm not d'accord. I'm not d'accord. Ah non. Non, mais je m'en vais pas, hein, vous inquiétez pas. Je regarde juste... voilà, c'est ça que je cherchais. Je me doutais bien qu'il y en avait 3. Recréer le générateur de distorsion d'Anona sans lui. Voilà une sensation bien étrange. J'ai encore parfois du mal à me faire à l'idée que je ne suis plus sa très jeune apprenti et que ce n'est plus lui qui est en charge de la forge du trou noir, mais moi. Hypothèse. Cette sensation ne me quittera jamais. Mon temps à ses côtés a eu beau être bref, mon ancien mentor me manque profondément. Bonjourette, ouais. Tu veux du fromage? L'opportunité de travailler sur un tel projet est excitante, mais je ne veux pas décevoir les autres. Je crois que je peux y arriver, probablement. Mais se pourrait-il que mon enthousiasme ait un peu trop exacerbé ma confiance et mes propres capacités? Était-ce une erreur de me proposer à sa conception? Je suis né dans ce système solaire, et je n'ai jamais vu le générateur d'Anona de mes 3 yeux. Ah, ils avaient 3 yeux. Je n'ai que ce qu'il m'a enseigné. Peut-être m'en suis-je prise à une portion trop massive. Peu importe, je dois faire de mon mieux. Et comme dirait Anona, si cela ne suffit pas, alors nous trouverons un autre moyen d'atteindre notre but. J'ai Clary et Root pour m'aider à la forge. Pour aider à la forge, et tout un clan qui compte sur moi. Je ne suis pas seul. Tu as mis une patate? Ah, tu as mis un coup de barre de fer? La barre à tout faire? C'est la barre à tout faire, elle sert à tout faire. Hein. Attends, on va pas partir là. Des trucs à lire, là, des trucs à lire. Reste là. Fais dans l'ordre là, Michel. Hein. Michel. Quoi? Non,
Merde, je me suis perdu. Non, c'est pas perdu. Regarde, tout va bien. Oh, ça a pété, on va pas voir tout. On va pas tout voir. Solution 1. Attends, il n'y a pas un début là ? Le projet Sablière Noire nécessite un générateur avancé. Comment allons-nous l'obtenir ? Ah. En fait. Solution 1. Nous pourrions récupérer le générateur de distorsion du vaisseau. Oui. Cette solution nécessiterait que nous retournions sur Sombronce. Plume, mon père m'a dit que de nombreux Nomai y ont perdu la vie. Je confirme. Un jour, mon mentor, Coléus... Ah, mais c'est une autre génération, là. Je crois que... Ah, putain, mais c'est fou. C'est ouf. Purée, pardon. Purée, c'est fou. Pas obligé de dire putain tout le temps, en fait. Même si on vient du sud. Un jour, mon mentor, Coléus, et le sien ont découvert et étudié un fossile de Sélacanthe sur la Sablière Rouge. Nous pourrions mettre ce savoir à profit pour éviter le Sélacanthe. Oui. En théorie, les informations de Melorae et moi-même avons que Melorae et moi-même en tiré de ce fossile pourraient effectivement nous aider à échapper au Sélacanthe. Mais nous n'avons jamais testé notre hypothèse sur un spécimen vivant. Mais dis-le-nous ! Je me souviens que ce fossile de Sélacanthe... Je me souviens de ce fossile de Sélacanthe. Nous jouions dans la grotte du Sélacanthe quand nous étions enfants. Et oui, il le disait d'ailleurs. Le générateur de distorsion du vaisseau est cassé. Dans le meilleur des cas, souvenez-vous, ceux qui étaient présents lorsque le vaisseau s'est écrasé ont dit qu'il avait subi des blessures mortelles. Ah oui, c'est vrai que c'est un être vivant, le vaisseau. Rien ne nous dit que le risque envahit la chandelle. Cassava. Même s'il ne fonctionne plus, ce vieux générateur pourrait constituer un modèle précieux. À condition que nous parvenions à le transporter jusqu'ici, bien sûr. Nous pourrions peut-être tout de même le réparer. Ma grand-mère m'a confié qu'ils n'avaient que peu de temps pour évaluer la nature et l'étendue des dégâts. Intéressant. Donc, le projet Sablière Noire nécessite un générateur de distorsion puissant et hautement avancé. Comment allons-nous l'obtenir ? Deuxième solution. Nous pourrions concevoir un nouveau générateur de distorsion plus avancé en nous basant sur celui du vaisseau. Ah oui ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? En abandonnant le générateur de distorsion du vaisseau et son enveloppe, nous ferons l'impasse sur un savoir précieux. Certes, mais les chances que nous puissions acquérir ce savoir sont minimes. Nous ferions mieux de tout entreprendre, je dirais. Je serais ravi de pouvoir créer un générateur de cette puissance, à cette époque. Plus concrètement, je pense que l'équipe de la Forge du Trou Noir et moi, nous devrions pouvoir reproduire la structure de base. Il s'agit de la voie la plus sûre pour notre clan. Mais la voie la plus sûre est-elle la meilleure ? Notre objectif justifie les risques à prendre. Ouais. Principal souci avec cette option, c'est qu'il me semble, c'est que nous n'avons ni la technique pour un générateur de cette puissance, ni les personnes qui ont fabriqué celui du vaisseau. Oui, c'est pas la même génération de Nomanei. Clary. Peut-être pas, mais Pok a été l'apprenti d'Anona, qui a conçu le générateur d'origine, et la Forge du Trou Noir a l'habitude de produire des générateurs plus simples. Je pense pouvoir apporter mon aide. Le générateur de distorsion du vaisseau est antérieur à ma naissance, mais Anona m'a expliqué nombre de ses secrets. Cassava, en sommes-nous certains ? Nous avons passé tellement de temps à chercher quelque chose que j'estime désormais, et beaucoup d'autres comme moi, impossible à trouver. Si notre quête de l'œil est sans espoir, nous devrions choisir l'option qui représente un danger moindre. Incroyable. Ah ouais. Ok. Bon, il y avait des trucs là-haut. Est-ce qu'on continue comme ça ou on retourne dans le... Ah, je sais pas. C'était intriguant quand même. De toute façon, on va devoir revenir, c'est sûr. Il y a beaucoup... Ah oui, je comprends que t'aies pas tout compris, mais moi non plus je comprends pas tout. Hein. C'est le problème dans ce jeu. C'est que tu découvres... Non, pas comme ça. J'ai pas du tout paniqué. T'es pas paniqué du tout, hein. Ah non. Ah, attends. C'est normal, ah, on découvre des choses au fur et à mesure. Comment ça ? Où allons-nous ?
sais pas si c'est une bonne idée. Où est-ce que je vais? Que se passe-t-il là? Donc là... Ok, ok, ok. Non, non, mais on essaie des choses, on essaie des choses. On essaie des choses. Faut simplement changer la pile. Simple, efficace. J'aime cet esprit. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit ça, je veux du fromage. Ah, c'est genre, c'est une entrée? Non. On est sur la planète? On est où? Oh, il y a une entrée secrète. T'auras essayé. Et ça, c'est beau. Mais c'est où, ça? Ah non, mais ça, ça m'intéresse, hein, en vrai. Dans la verdade. Aïe. Ah, mais c'est le téléporteur, là. Ouais. Ah ouais, 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 ouais. D'accord. Ah bah d'accord. Dis donc, y a pas rien, ici. Donc là... Ici même, il y a un petit trou qui nous permet d'accéder. Il est où? Là, non? Ouais. Incroyable. Oh là là. Donc on pourra retourner... On pourra retourner là plus vite. Réserve d'oxygène en plus. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est fou. En vrai, ça fait plaisir. Ok, bon. On apprend des choses. Qu'est-ce qu'il y a là? Quoi? On vient d'où là? On vient de là? Il y a quoi là? Commande de la forge du trou noir. On n'est pas allé là. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est moi? Bonjour? Ok. Ah! Bonjour! Mais qu'est-ce que... Allô? Commande de la forge du trou noir. Incroyable, je sais pas ce qu'on a fait, mais on l'a fait. Oh, je comprends rien. Je ne comprends rien. Ça ne sert à rien. Non mais si. Ok. Ok, 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 on continue. Vite. Vite avant que ça n'explose. Essayons de faire en sorte que cette session soit d'une utilité déconcertante. Non, on revient en arrière, c'est ça? Je sais plus. Je sais plus dans quel sens on est là. Non, non, c'est bon, c'est ça. Donc là, on est sur je sais plus quoi. Hop là! Oh là là, c'est incroyable. J'apprécie, hein. J'apprécie. Hein. Vraiment, j'apprécie. On avance. On comprend pas tout, mais on avance. C'est pas grave. En vérité, c'est pas grave. Ah non! Comment ça? On peut plus y aller? Pardon, pardon. Pourquoi je m'énerve? Faut pas s'énerver comme ça. Excusez-moi. Non. Vous avez l'air d'être occupé. Hop là. C'est moi ou vraiment là? Ah non, c'est là. Il y a peut-être un truc là. Ah, c'était leur pieu. Mort dans son sommeil. Terrible. Vous êtes terrible. Là, on pourra remonter ici. Ok, là, il y a un... Ah, de l'oxygène. Ça, c'est sympa. En tout cas, ils avaient besoin d'oxygène, eux aussi. Hein. Voilà, 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 voilà. Il y a tellement de choses, là. Tellement de choses, là. Trop de trucs, là. Trop de trucs. Bon, petit cerveau. J'ai envie d'aller en bas, là, quand même. En bas, là, il y a l'air d'avoir un truc de fou. En face, là. Comment on y va? Sans faire le kikos. Non, je viens de là. Ça. Ouais, comme ça, par un escalier. Tout simplement.
Qu'est-ce que l'œil de l'univers? C'est une bonne question, ça. Allô? Pourquoi? Qu'est-ce que l'œil de l'univers? Pourquoi j'arrive pas à le dire? Ça bug ou c'est normal, ça? Supposons que l'œil soit un être plus avancé que nous. L'œil est plus ancien que l'univers. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre grâce à lui. Il pourrait s'agir d'une bibliothèque cosmique. L'œil est la source du signal qui nous a conduits jusqu'ici. Oui. L'œil peut-il être plus ancien que l'univers lui-même? Pourquoi je l'ai en double? Ah, j'ai dû cliquer deux fois très très vite. Oh là là, ce stream deck, hein. C'est mal fait. Hein. Supposons que c'est une relique d'un précédent univers. À l'origine, l'univers était incroyablement chaud et dense. Si quelque chose existait avant, elle aurait été détruite. Tu sais pas, qu'est-ce que t'en sais? Supposons que l'univers est plus ancien que l'on pensait. Qu'est-ce que le signal de l'œil? Supposons que l'œil tente de communiquer. Le signal est un appel. Nous était-il destiné? Destiné! Le signal est la voix de l'œil. Le langage qu'il emploie nous est encore inconnu. À moins que le signal ne soit qu'une tentative d'expression de la part de l'œil. Notez ceci. Le signal nous a permis d'apprendre l'âge approximatif de l'œil. Peut-être son absence d'âge. Quoi? Non! Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, excusez-moi, je suis un peu nerveux. Un peu nerveux, ce breakdown là. Ouais, il y avait quand même un truc là. Soyez bienvenue dans ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduit jusqu'à un système stellaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations et l'avons suivi jusqu'ici pour en découvrir à la source. Ah merci Dark Sephora. Mais enfin, fais de la pub. Ah, merci, c'est gentil, hein, mais non merci. Voici ce que nous savons, la source du signal que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant, merci. Entrez, ouvre et ouvrez-vous à l'étendue des possibles. Oh, oui, c'est super, une part d'attraction en fait, c'est ça? C'est le parc d'attractions de... Hop là! Magnifique saut. On vient d'où là? On vient de là, non? Pas du tout, en fait. On n'est pas allé, hein, on est d'accord. Attention. Est-ce qu'il y a des trucs à lire ici? Non, pas du tout. Ah. Mais calme-toi, tu veux du fromage, c'est un bot. C'est un bot. Je sais pas où c'est. C'est un spammeur, une spammeuse. Dark Sephora. C'est rigolo quand même comme pseudo. Pour un bot. Solanum. Je ne crois plus. Comme lorsque j'étais enfant, sur la sablière rouge, que l'œil de l'univers, la source du signal, nous veuille du mal. Mais cela ne veut pas dire que... Ah oui, c'est vrai qu'il se posait la question. On avait lu ça sur sablière rouge, je m'en souviens. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il souhaite être trouvé. Il est fort probable que les circonstances dramatiques de notre arrivée ici n'étaient rien d'autre que le fruit du hasard. Nous nous sommes imaginés que l'œil nous avait en quelque sorte choisi. Mais j'ai le sentiment qu'il s'agissait là d'un vœu pieux. C'est un vieux pieux. D'un vœu pieux. Il est possible que l'œil ait lancé un appel à toute espèce douée de conscience. Moi j'ai pas reçu, hein. Je dois pas être doué de conscience. À moins qu'il n'ait cherché à contacter... À quoi que... Peut-être que Dark Sephora, c'est peut-être l'émissaire de l'œil. Ah ouais, vas-y, tu veux du fromage. Tu peux insulter le bot, hein, y a pas de problème. Si tu n'es pas un bot Dark Sephora, sache que on est désolé. Mais faut pas faire de la pub comme ça sur les chats de Twitch. À moins qu'il n'ait cherché à contacter personne, le fait que mes ancêtres aient entendu le signal de l'œil ne revêtirait alors qu'une signification profonde. Je pense pas qu'il faille s'alimenter. Et on se lâche dans le chat. Je ne pense pas qu'il faille s'alimenter. Mince. Élémentaire. Pourquoi il parle d'élémentaire?
Je pourrais même... Il se pourrait même que l'œil ne soit pas en mesure de souhaiter quoi que ce soit. Après tout, rien ne prouve qu'il en soit capable. Peut-être qu'il est con. Peut-être que l'œil, il est con. Il est juste con. Est-ce que le truc, c'est juste un truc qui est con. Et puis c'est tout, quoi. Où sommes-nous? Dans quelle étagère? Ok. Je suis venu ici? Est-ce que... Quoi? Ouais. Aïe. Là, on revient au début. Je crois qu'on a fait le tour, là. On a fait le tour, là. Allez. On avance, on avance. On avance. On avance. On s'abaisse. Non, c'est pas là. Ici. Non! C'est cassé! C'est pas grave. Il y en a un autre. Celui-là, il est pas cassé. J'avais pas vu qu'il était cassé. Celui-là est cassé, mais il est moins cassé. Quoi? Quoi? Ah! 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 Mais qu'est-ce que je suis censé faire là? On peut pas y aller du coup. Terrible! Attends. Ah mais comment on fait? Ah! Attends, attends. C'était cassé. Mais est-ce qu'on peut descendre là? Non, là, je vais tout droit. Je finis dans le... Purée, comment on fait pour aller en bas déjà? Ah! Je me souviens plus. C'est arrivé il y a beaucoup trop longtemps. Vas-y. Lâche-toi. C'est mieux dehors que dedans, hein. Non mais c'est pareil là. C'est le même problème. Ça s'est écroulé. On y allait là? Je vais pas avoir traversé. Et on peut acheter des followers quand même. Vous le saviez ça? Moi je savais pas, hein. Merci Dark Sephora. Pour ta publicité. Incroyable. Est-ce que je peux aller là, moi? Mais là, on y est allé, là, ou pas? Oui, ça, on l'a fait. Comment va-t-on fuir? Dans quelle étagère? Ah, tu... C'est là, moi, je veux aller là. Ah, c'est l'explosion. Ah, c'est l'explosion. Ici, c'est l'explosion. Ah, c'est vrai qu'il aurait pu follow. Le bot, là, quand même. T'as fait de la pub, il follow même pas. Comment tu veux qu'on... Moi, en tout cas, voilà. Moi, si tu follow pas, j'y vais pas. Vite. Ah, moi qui voulais sauter, ça n'a pas marché. J'ai soutenu. Terrible. On avance, hein, on avance, hein, malgré tout. Malgré tout, ça avance. Par contre... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a découvert une entrée, The Great, pour aller directement à l'étage des commandes de la Forge Noire. Par contre, comment on va à la Forge Noire? Je crois que... C'est ça. J'ai failli vivre une mort stuck in the trou de charpente. Ça, ce aurait été un petit peu dégueulasse. Un petit peu dommage. Attendez. Ah, ma gorge. Ah. Merci, Homer. Ah, moi, j'y retourne. Vous, je sais pas, mais moi, j'y retourne. On met une petite combi, parce qu'on sait que tout à l'heure on va sortir dans l'espace et quand on va être comme ça à faire... Une fois c'est arrivé, pas deux. Je m'y engage. Hop la tisane.
Bah c'est de la bière, oh c'était de la bière hein. Pilote automatique, sans les mains. Sans les mains. C'est parti! Let's go! On avance hein. Ah ouais, moi ça m'excite moi ça. Ça me fait... je suis tout chose. Hein, de découvrir des trucs comme ça, moi l'exploration je kiffe. Je kiffe l'exploration et les mystères. Voir les mystères de l'exploration. C'était là. Là. Avançons. Atterrissage en douceur. Hop là, voyons voir. Est-ce que c'était pas là ? Ici. Hop ! Ah ! Ah ! Attendez, je vais me mettre un pansement. Attendez, ah ! Ah, j'ai une commotion. Un CRP, regardez. Un CRP. Ah, j'ai pris cher. Ça va mieux. Ça y est, ça va mieux. En fait, j'ai pas lu le journal. C'est ça que je voulais faire. Regardez, on a découvert des noms. Les bâtards. Ah si, on a découvert un nouveau truc. Regardez, des trucs verts. Ah, le vaisseau, il est sur son bronze. Genou en mode flamant rose. Tu veux dire comme ça, comme le coup ? Oui, à mon avis, ça devait donner à peu près ça, ouais. Attention, hein. Ah si, il y avait des trucs verts, en fait. Tout à l'heure, j'ai râlé, mais... Nomai apprirent comment échapper aux sélacantes, du moins en théorie, en étudiant un fossile de sélacantes retrouvé dans un sablier rouge. Comme ça, ça m'énerve, le jeu te dit « Hey, tu cherches une information ?» Eh bien, figure-toi qu'il y en a qui l'ont trouvé. T'es content ? Jeu quoi. Jeu de troll. Un peu quand même. Hein. Un peu, pardon, mais un peu quand même. Tout ce qu'on a appris. Ah non, la forge. La forge du tournoi est suspendue sous la cité. J'ai trouvé dans le secteur de l'eau de fonte un interrupteur qui commande l'accès à la forge du trou noir. Tout à fait. Le secteur de la forge du trou noir domine la cité suspendue. Une nomanomane du nom de Pock envisagea de concevoir un nouveau générateur de distorsion avancé dans la forge de trous noirs. Les Nomai façonnaient des générateurs de distorsion dans la forge du trou noir avant de les envoyer sur sa billière noire. Ok, on apprend des choses. On comprend. Pas tout, mais un peu mieux. Une cité Nomai suspendue dans les gravités. Pardon, excusez-moi, j'ai pris une commotion tout à l'heure. Je me suis pris... J'ai fait Titanic. J'ai pris un petit iceberg. Ouais, je t'ai lancé en mode 25 km/h quand même dans l'espace, ça fait beaucoup. Hein. J'ai trouvé dans le secteur de l'eau de fonte un interrupteur qui commande l'accès à la... Oui, mais ça tu as déjà dit ça. Le moyen d'y réfléchir à la meilleure manière de concevoir un générateur de distorsion puissant et hautement avancé dont ils avaient besoin pour le projet Sablière Noire. Les Nomai vivent dans ce système solaire en quête d'un signal émis par une entité plus vieille que l'univers lui-même. Ils bâtissèrent la source de ce signal, l'œil de l'univers. Salut Topper, comment vas-tu ? Ah écoute, la forme. Toi t'as pas lu le titre, hein. Toi t'as pas lu le titre, toi. Mais je t'en veux pas, hein. Je t'en veux pas trop. Comment vas-tu toi, mon petit Topper ? Moi, voilà quoi. J'ai pas la voix de... Je sais pas de qui, de l'acteur du... Ah ouais... Non mais c'est pas un bot. Ou alors il est vraiment très très bien fait. Ah ouais, peut-être que les bots sont de plus en plus élaborés. Hein. Peut-être que c'est une intelligence artificielle déployée pour dominer l'humanité. Ouais, je sais pas où j'ai mis mes sales pattes. Je ne sais pas. J'ai un peu trop tâté les courgettes. Je ne sais pas, au centre commercial. Je ne saurais te dire.
Je ne saurais dire. YOLO! Ça, on l'a vu. Allez, on se dépêche. Allez, on avance, là, on avance. On n'a pas que ça à faire. Voilà, là, on arrive là. Ça, c'est bien, on est content. Ça, on n'avait pas fait ça. Hop, on fait descendre. Ah, mais peut-être c'est ça qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut le choper. Il faut le pécho. Non, on peut pas, là. On peut pas le pécho, là. Non, on peut pas. C'est ça, exactement. Mais j'ai vu qu'au milieu des courgettes, il y avait un nez de pangolin qui dépassait comme ça. Il y avait entre deux courgettes. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû me dire... Ah ! Ceci n'est pas tout à fait normal. Mais c'est écrouled ! It's écrouled ! Oh, non, it's écrouled ! Non. It's écrouled ! Laissez-moi. Please. Ah. It's tout cassé. Mais oui, it's tout cassé. I want to go here. Si, c'est juste là. Sauf que là, si je saute, le trou noir. Tu vois? Ça se passera mal. Because there is no dessus et dessous là, avec ça, la gravité, la surgravité, c'est tout un bordel quoi. Ah mais voilà, moi, non. Comment? Ah mais je me souviens plus comment on va sur à la forge noire, Peut-être que c'était écrit. Hein. Putain. Non mais en vrai ça va. Écoute. Si j'ai eu de la fièvre lundi soir, j'ai fait double test. Je fais un test chez moi, comme ça, mardi après-midi. Et puis j'ai vu qu'il y avait une deuxième petite barre, mais elle était timide, très timide. Je me suis dit bon, peut-être que c'est pas tout à fait ça. Je suis allé en pharmacie et puis ils ont fait comme ça, jusque là, comme ça. Voilà. Ah non, plus exactement, ça s'est plus passé comme ça. Ça, c'était la vérité. Et eux, ils m'ont envoyé un message le soir en me disant « Vas-y, va-t'en. Va-t'en, t'es malade. » Voilà. Ouais, tu sais tout. You know everything. C'est quoi ici? C'est quoi là? C'est quoi là? En vrai, ça va. Je pense qu'il y a certains qui en ont chié bien plus que ça. Sans problème. Bah, d'ailleurs, il y en a qui ont plus que chié, en fait. C'est... Puisque... Voilà. Je stream pas H24, hein, parce que... Non, je continue à travailler, quand même. Mais je reçois plus les gens dans mon cabinet. Mais est-ce que je peux aller là? Ah! Vraiment, j'ai raté ça? Bah... Attends, on est où là? Calmez-vous là-haut. Ah non, je continue à faire des visios. Mais je l'ai moins, hein. J'étais censé, je sais plus, avoir 5 ou 6 rendez-vous là. Et... Ils sont un peu reportés quoi. Oh là là, où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va là? On est où là? Pourquoi je m'énerve? Je m'énerve pas. Je parle tout seul. Ah, on entend Michel. Depuis le début, on pouvait venir ici? Quoi? J'ai... Il est où Michel déjà? Je crois que c'est là. Vite!
Allons chercher l'oxygène. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, le kiné qui veut pas te le dire. Ah, moi j'ai tout dit, moi j'ai tout lâché, comment on dit. Bon, t'as décollé, super beau travail. Ah, je sais plus quelle voix je lui avais donné à lui. Ah non. On va juste mettre l'écho. Avec une voix gutturale. Mais ça, j'ai pas le choix en fait, j'ai que celle-là. J'ai que celle-là en stock. Oh, t'as décollé, beau travail, on s'en fout. Ouais, mais je sais, je t'ai déjà vu en fait. Pas beaucoup de temps, voilà, ta gueule. Ouais, bien sûr, tout ce que tu veux. J'ai appris des trucs. Oh, super. J'ai trouvé une capsule de sauvetage Numa Numanae. Ah, ça alors, si je comprends bien, Numanae. Ah, mais non, mais c'est pas du tout gluttural, ça. La voix vocodeur, ouais, je l'ai pas, celle-là. Faut que je trouve. Mais j'ai pas le temps. Ça alors, si je comprends bien, les Numanae ne viennent pas de notre système solaire et ils devraient être en difficulté lorsqu'ils ont lancé leur capsule de sauvetage. Mais quel problème ont-ils rencontré? Et d'où ont-ils lancé la capsule de sauvetage? Tant de questions! C'est une découverte incroyable! Comment et pourquoi les Numanae sont-ils venus jusqu'ici? J'espère que nous l'apprendrons un jour. J'ai appris des trucs! J'ai vu l'ancienne colonie. C'est incroyable, hein? On a du mal à croire que cette colonie soit toujours debout, et pourtant c'est le cas, toujours debout, comme moi. N'empêche, c'est là qu'on se rend compte que de la chance qu'on a de vivre sur notre bois, hein? Au moins là-bas, on ne court pas le risque de se prendre à tout moment une météorite sur le cul. Enfin, le coin de la figure, pardon. J'ai mal traduit. Ah, si je peux faire le robot, si tu veux. Allez, je fais le robot. J'ai vu la cité suspendue sur gravité. Tu as visité la cité suspendue? Ah, dis-moi tout. C'était comment? Incroyable, magnifique, effrayant. La cité suspendue est l'endroit de gravité où les Numanae se sont installés définitivement. C'était leur colonie la plus développée sur cette planète. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui les a poussés à construire si près d'un tu sais quoi, mais peut-être que pour eux, ça avait du sens. Peut-être qu'ils avaient besoin du trou noir. Elle vous plaît, Sana? On la garde. Il faudra que vous me rappeliez. Lui, c'est le robot. Sur sa bière rouge, oui. Tu veux dire qu'il y a une autre cité Numanae à l'intérieur de sa bière rouge? Incroyable! Une cité tout entière dont j'ai jamais soupçonné l'existence, c'est formidable. Comment tu réussis à se protéger du sable? À leur place, j'aurais peur de me faire enterrer dans ces grottes par cet horrible fleuve de sable. Bon sang, les Numanae devaient être de sacrés débrouillards pour avoir réussi à bâtir toute une colonie sous terre. La cité obscure, allez donc! Ça veut donc dire qu'il y avait deux groupes de Numanae. Un qui vivait sur la sablière rouge et un autre ici, sur Gravité. Ils ont dû voyager dans tout le système solaire, car on a aussi retrouvé leurs écrits sur d'autres planètes. Ah, ils étaient partout. Quoi d'écrit Numanae à propos d'un pèlerinage quantique? Un pèlerinage vers la lune quantique? Les Numanae en parlent beaucoup dans leurs écrits. Elle était manifestement importante à leurs yeux, suffisamment pour justifier un voyage sans solitaire, en tout cas. Tu voyages dans une planète Numanae. Numanae. Et toi, t'as pas suivi le stream, toi. Hein? Parce que toi, tu l'as pas encore dans la tête, c'est pour ça que tu dis ça. Parce que si, ceux qui ont suivi un peu trop le stream, malheureusement, ensuite, ils ont eu ça pendant plusieurs jours dans la tête. Numanae. Ça m'évoque un rituel de passage à l'âge adulte, comme les petites pierres qui restent, les petites pierres jusqu'à ce que leur estomac soit assez résistant pour digérer le vent dégueulasse de sève. Peut-être que les Numanae était considéré comme adulte après avoir voyagé jusqu'à la lune quantique. Incroyable, incroyable, c'est donc ainsi que les Numanae sont morts. C'est vraiment triste, tu trouves pas? Je sais, c'était il y a très longtemps, mais quand même. Ah, les étoiles, une chance. Qu'à cette époque, nous n'avions pas encore évolué pour vivre à la surface. Quand je pense que si cette comète ne les avait pas tués, nos deux espèces auraient pu cohabiter dans ce système solaire, ça aurait été génial. Enfin, j'imagine que si je n'avais pas voulu apprendre comment les Numanae ont disparu, je n'aurais jamais quitté notre bois pour venir jusqu'ici. Pas plus que je n'aurais vécu toutes ces aventures. Comment va bien? L'espace est terrifiant, mais le ciel est magnifique. Ah, c'est beau ce que tu dis. C'est beau, Michel.
Ah non, c'est pas toi, Michaï. T'en as un autre. A plus, Michaï. Bravo. Bravo, c'est toi qui as fait la... le générique, hein. Un petit peu de carbu. Ok, bah formidable, hein. Attends, c'était où? C'était là-haut, hein. Hop là. On tombe et on meurt. Pas du tout, regardez. Non, regardez. Hop. Ah non, c'est là qu'on meurt. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Vous dites c'est fini. C'était... Non, je me suis trompé de bouton. On peut faire... En même temps, non, c'était volontaire. C'était complètement volontaire. Faites pas ça chez vous, hein. Surtout... Ah, mais on peut marcher, là. J'avais jamais fait gaffe qu'on pouvait marcher, là. Voilà, on fait le tour. On fait le tour. Bonjour. Non. Et la voie à toute une. Ouais, il faut que je trouve la voie à toute une. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me ramener sur Gravité, s'il vous plaît? Vous seriez bien aimable. Ça, c'est Gravité, hein. On le sait maintenant, on a appris. Formidable. Sablière rouge. Ah, on reconnaît, hein, on reconnaît. C'est faux. Hop là! On fait tourner! Tu fais tourner! Regardez, regardez, regardez. Tout n'est pas perdu. Hop! Téléportation! Voilà. Ouais, c'est tout. Aussi simple que ça. Et là, on croit que c'est foutu. Mais non! Regardez, ma fusée, même là. C'est quand même bien fait, hein. Je suis désolé, mais moi, je trouve ça bien fait. Ah! Ouais, non, mais voilà, on a avancé quand même dans le jeu, on le connaît. Parce que là, on est rentré dans le trou noir, on est sorti par un trou blanc. C'est trou blanc. Et mais en vrai, je sais pas si on devrait aller là, il faut que je me souvienne. Il faut que je me souvienne comment on descend à cette forge de mort. Hop là! Vous avez vu? Vous avez vu ça? Comme si de rien n'était. Et là, on peut continuer à chercher le truc qu'on trouvera jamais. Vous êtes d'accord? Vous aussi, vous avez envie de savoir? Oh là 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 là. Bon, En tout cas, il y a un truc à faire, là. Hein. On est d'accord, il y a un truc à faire. Là, il remonte. D'accord que c'est une très mauvaise idée ce que je vais faire là. On peut pas la choper là. Oh putain, comment on fait? Je me souviens plus. Ça me rend fou. Ça me rend chèvre. Chèvroucaille quoi. Ça me rend chèvroucaille. Vous connaissez les chèvroucailles? C'est un mélange entre un ouroucaille et une chèvre. C'est dans la série La Roue du Temps. Ah, c'est très conceptuel hein. La Roue du Temps sur Prime. Pardon Jeff. Mais la Roue du Temps, bon, comment te dire. Ah, je crois que c'est cassé. Le fromage de chair, évidemment. Du coup, depuis que j'ai découvert ce concept voilà, de mélange entre un ouroucaille et une chèvre, vous regarderez la série, hein. Vous verrez qu'il y a des chèvres roucailles, pour de vrai.
Bah du coup maintenant je me fais des pizzas au chef Rukai, miel, des trucs comme ça, tu vois. C'est très très bon. La dernière fois, ma chérie m'a fait, enfin m'a fait, non, nous a fait, un magnifique cake au chef Rukai. C'était très bon. C'est quoi ça? Atelier des cristaux gravitationnels. Ouais, c'est vrai, hein. Non, mais regardez. Regardez le chef Rukai. Attendez. Attends, YouTube. Je reviens. Tu n'auras aucun problème, toi, tu vois. À de suite. Ah merde, ça n'a pas marché. Si, bonjour. Oui, tout à fait. Hein, ouais, continuons. Comment allons-nous à la forge? Roberto, dis-nous, toi. Comment va-t-on à la forge? Arrête de jouer ta guitare. Ton banjo là. Te fous dans le cul là, comme dirait. C'est la fièvre. C'est la fièvre. Est-ce que. Non. Excusez-moi. Pardon. Non mais en vrai. Ah, ça c'est une bonne idée ça. Je te dis, va là. Je vais te transporter quelque part. Non merci. Mais c'est sûrement trop tard. Oui, je retourne à la navette, en vérité. Non, on va essayer de trouver un truc. Non, mais on va trouver un truc. Je m'engage à trouver un truc. Moi vivant, bah, pour l'instant, c'est un peu le cas. Hop là. Hop. Putain, on a raclé le on a raclé la joue là. Et ici, je sais plus. Si, mais là, on est déjà passé par là, non? Hop. Hop. Quoique. Ça me dit rien, mais si. Si, on l'a fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ça, j'ai jamais vu ça, si. Aïe. Où sommes-nous? Ah, mais là, on est là? Ah d'accord, on peut... Ah je savais pas. Ah il y a deux maisons en fait. C'est laquelle où il y a du grabuge? Là-bas. C'est là-bas qu'il faut pas aller. Pourquoi il y a ces cristaux là chelou? Bah, on y va pas là-bas, on y va pas. Je crois que ça on l'a lu, hein, on est d'accord. Je suis pas sûr. Ouais. Et on s'est posé là, hein. Je sais pas si vous étiez là, mais on s'est posé là-dedans. Je tiens à le préciser quand même, sans mourir. À l'aller, comme au retour. Ah, vous êtes impressionné. Ouais. Je comprends. Moi-même, j'étais estomaqué. Par ce skill. Pas donné à tout le monde. Hein. Ah non, mais tout à l'heure on était vraiment passé par là. Ouais. Ouais. Bon. On en fait une petite d'air. Au moins, en tout cas, au moins une. J'ai quand même envie d'avancer sur gravité là. Il y a des trucs là. Il y a quelque chose avec la. La forge là, la forge noire. Mais je ne sais plus comment on y va. Je n'arrive pas à me souvenir. Je crois qu'on se TP. Mais par où qu'on se TP?
Mais c'est par où qu'on se tépé? Terrible. Ah, j'ai mis du miel, c'est vrai. Le petit miel, là, pour la gorge. Ah oui. Tout à fait. Ah, il fait 22 degrés dans la pièce. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça a chauffé, finalement. Ça, ça fait plaisir. Hop. Zoup. Non, c'est justement, c'est ça que je voulais voir. J'ai trouvé un suspendu sous la cité. J'ai trouvé dans le secteur de l'eau de fonte un interrupteur. Oui, d'accord, mais comment on y va? Chier, je me souviens pas. Vous pouvez pas revoir les 9 heures de VOD, s'il vous plaît? Ah. Ça fait plaisir, hein. Merci, tu veux du fromage? Tu veux me demander quelque chose, c'est ça? Tu trouves qu'on est bien à regarder des journaux? Des journaux des journaux dans des vaisseaux spatiaux? Écoute, je trouve que... Ah d'accord, vas-y, écoute, je t'attends avec impatience. Allez, nomma, il façonne les générateurs. Mais on s'en bat les couilles, comment on y va? Première idée, faut tout se retaper YouTube, toi-même si tu sais, mets-le dans les commentaires. Ça sera trop tard, mais tu peux mettre dans les commentaires. C'était là, tu pourras dire c'était là. Et tu pourras voir si je l'ai trouvé ou pas. C'est beau. Allez, c'est parti. On va essayer quand même de découvrir des choses. On découvre des choses. Hein? On avance là, franchement ça avance pas mal hein. Oh. Bon enfin je veux du fromage, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr que tu as donné des anxiolytiques que à ta compagne? Pour qu'elle se calme? Ne faites pas ça chez vous. Si vous voulez que quelqu'un se calme, c'est pas ça qu'il faut faire. La barre de fer. Hop là, oh là 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 là. C'était où? C'est là, hein. On se pose en douceur. En douceur, on a dit en douceur. On a dit en douceur. S'il vous plaît. C'est moi ou... C'est pas très droit tout ça quand même, hein. Allez, c'est pas grave. Ça fera la feu. Ça fera la feu. Ouais, on est d'accord, on était un petit peu en créneau là. On s'est fait, on a un peu raté le créneau. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Attention, attention. Where is the entrée? Attention, la dernière fois, on est décédé, hein. Mince, c'est pas là? Ah si, c'est là. On l'a vu. Faut bien... Tu t'en occupes bien, hein. Faut bien s'occuper de ta dulcinée. Elle crée la vie. Et ça, c'est fatigant de créer la vie, je crois. En vérité. La vérité! La vérité! Ah ouais, 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 ouais. Bon, là on veut faire ça, ça c'est sûr, on veut faire ça. On veut. On veut déclencher. On veut aller déclencher ça. Pardon. Excusez-moi. Ça a marché? Non, là ça a pas marché. Là ça a marché. Est-ce qu'on peut le commander d'ici? Non. Je veux aller là. Comment je me TP là? Comment je me TP là? Comment je me TP là? Oh et oh et! Comment je me TP là? Comment je me TP là? Je m'en souviens plus. Oh et oh et!
courage. Courage à toi. Courage à vous deux, d'ailleurs. En vérité. En vérité. Alors, attends. Peut-être que j'ai raté un truc ici. On va espérer. On va espérer que j'ai raté un truc. C'est pourtant pas forcément... 7 mois, qu'est-ce que c'est dans une vie? C'est rien. Pas du tout. Courage à toi. Ça va le faire. Qu'est-ce que j'ai raté? Attends, parce que là, on est d'accord qu'on veut aller là. Peut-être qu'on peut arriver hein, à descendre si on, si on fait bien le... la transition. Hop là. Eh oui, toi, plus que 6 aussi. Il y a plein de papas ici, il y a plein de papas. Papa, t'es où? Oh putain. Ah! Des papas en devenir, c'est beau. Presque 5. Ah mon dieu! Votre vite! Sors vite! Sors vite le bébé là! Sors vite le bébé! Qu'est-ce que je fais là? Vraiment? Vraiment? Ouais, c'est vraiment une technique de raccro là. Et bon, en vrai, c'est là-bas que je veux aller moi. C'est la guerre pour toi là. Enfin, pour elle surtout. Et du coup, pour toi directement. Je veux du fromage. Je sais pas si je dois t'appeler je veux du fromage ou tu veux du fromage. Ok, bon. Revenons en arrière. Ça, on a vu. Ça, on a vu, hein. Oui, 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 on l'a vu. Ça on l'a vu. Ah, ça me rend fou. Je crois qu'on a tout vu ici. Un grappin. Le grappin. Le grappin, nous n'avons pas. Nous n'avons pas le grappin. Le précieux grappin n'est pas là. Pourquoi je prends la voix de Gollum? C'est terrible. Personne n'a demandé. Personne. Pas même Lobby Choufflu. Méchant bitoufleu. Arrête, stop, arrête. Pardon. Excusez-moi, j'ai... Excusez-moi, je... Des fois, je... je peux pas... Je crois pas qu'on puisse construire des escaliers nomanomanei. J'aimerais bien, hein. Pourtant, c'est là, hein. C'est là, c'est ça que je veux, moi. Secteur de la forge du trou noir. Ah, ça me rend chèvre, ça me rend chèvre. Je ne me souviens pas. Je sais que je crois qu'on atterrit là. Je crois qu'on atterrit là. Je suis déjà allé là, en fait. Je suis déjà allé. Mais il y avait, j'avais pas descendu la forge, le truc de la forge. Du coup, je pouvais rien faire là-bas. C'est terrible. That's terrible. Et après, où est-ce qu'elle est en temps normal? Elle est dans le trou noir? Elle va dans le trou... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. J'y ai cru pourtant. Mais non. Le jeu m'a dit non. L'escalier, le fameux escalier Noma Noma Nei. Non, non. un petit siège Stana Noma Noma Nei.
pas du tout. On peut monter. Non, c'est pas compliqué en fait, c'est juste qu'il faut que je arrive à me souvenir comment qu'on descend. Je ne m'en souviens pas. C'est terrible. La mémoire d'un poisson rouge. Là en vrai, si quelqu'un veut me le dire, si quelqu'un le sait, ça ne me dérangera pas parce que j'y suis déjà allé. Ce sera pas du backseat. Pas un vrai backseat. Si vous le savez pas, vous le savez pas, mais... Bien sûr. Évidemment que ça fait de la musique roumaine. No ma no ma ne, no ma no ma ne, comme ça. Et tu te déplaces là, tu te... No ma no ma ne. Non. C'est parce que ça fait une petite pause. Ma no ma ne, no ma no. Ice Bardi. Ah, quel magnifique créneau. Là. Je me soigne ? Ouais, bon, ça va. Faut que je me souvienne. Allô ? Alors. Souviens-toi. L'été dernier. Est-ce que c'était là ? Non. Je crois pas que ça soit là. Ah, c'était il y a 2 semaines, il y a plus de 2 semaines. C'était loin aussi. Ici, il y a Keude. Je crois qu'il y a Keude, en tout cas. Ça, c'est les villages. C'est les fameux villages où on peut quand même accéder à... Voilà. Je dirais qu'il faut prendre la guitare de Michel et faire tomber des cailloux en jouant de la gratte. C'est conceptuel, mais ça a le mérite de... Qu'est-ce que c'est ça ? Je ne me souviens pas du tout de ça. Quelle est cette diablerie ? Ah oui, voilà, c'est ça. Elle disparaît. Putain, encore un caillou. Ne te perds pas de vue. Si, non. Non. Ah, tant pis. Juste 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah oui, il y avait un truc ici. Info de chat. Je connais pas le jeu, mais ça me semble logique. Les arbres bougent, les arbres. Ils se déplacent. Mais non, c'est pas les arbres. Attends. Oui. Plume, Félix et moi sommes parvenus à la conclusion que cet étrange fragment de roche cause le comportement quantique de tout ce qui se trouve dans les bois. Notez ceci, ce fragment émet un signal unique et curieusement, il est similaire à celui de notre très chère lune errante. Eh oui. J'ai également reçu des signaux identiques à ceux de ce fragment provenant de Léviat. Âtrebois et les Sablières. Je suppose que ces planètes... abriter d'autres fragments comme celui-là. Terrible. Le seul autre corps que nous avons observé avec un comportement similaire est la lune errante. J'imagine que la lune et ses bois sont liés d'une façon ou d'une autre. Dans ses notes précédentes, Félix a mentionné que cette roche étrange est introuvable sur le reste de Cravité. Et si elle n'était pas originaire de cette planète ? C'est bien ça, c'est vrai ça. Hypothèse. Le roc quantique provient de cette fameuse lune errante. Peut-être même que ça n'est un fragment. Ah, il me semblait bien qu'on l'avait pas lu, ça. Ça, par contre, je crois que oui. Si quelqu'un d'autre était témoin de ce... Oui, mais... Pardon, hein. Je rate juste... Non, c'est ça. On l'avait lu, ça. Sous vos pieds se trouve la tour du savoir quantique. Si vous préparez votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez la descente de ces escaliers jusqu'à l'entrée. Le savoir qu'elle contient vous aidera dans votre voyage. Ben, peut-être que c'est pas dégueu d'y aller maintenant, qu'on a appris des trucs. On a quand même appris des trucs. Même si on ne sait pas tout.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Mais comment... Oui, d'accord, ok, ok, ok. On continue, on continue. On fait les tours. On fait les tours. Mais non. Comment j'y rentre là-dedans? En sautant? Comme une quiebrée? Bien entendu. Ah! Bonjour. Ouais, ouais, mais là... Là, on va juste au milieu, et là, on va un peu plus haut, mais on va se faire baiser. Ah, j'arrive trop tard, sûrement. C'est too late. Descendons. En contrebas. C'est écrit. Paf. Ok. Bon. En vérité. Et... Ah bah oui, du coup, les gars, moi je veux bien, mais... On est plus censé pouvoir y aller là. On a tout le savoir quantique. Eh oui. Mais moi je veux bien y aller. Mais je ne peux y aller. Ah ben non hein. Eh oui voilà. C'est ça. Ah, c'est terrible. Oh, 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 est-ce qu'il est bien lui, hein? Croiser des chemins. Eh oui, je savais, je savais. Ça, on connaît. Peut-être qu'il faut venir dès le début. Parce que tout s'écroule, mais j'ai l'impression que c'est pété dès le départ, quoi. C'est méchamment stylé, on est d'accord, hein. Même si c'est difficile de comprendre ce qui se passe, on comprend au moins une chose, c'est que c'est stylé ce jeu. Regarde, cette planète qui s'effronte sur elle-même. Est-ce que t'as vu la planète où il y a de l'eau? Avec de l'eau. Ah non! Ah si, c'est... Est-ce que tu as vu la planète « Je veux du fromage avec de l'eau » »« Je veux du fromage avec de l'eau » Ah ouais, elle est bien ça là. LOL. C'est extrêmement classe aussi. Attention. Excusez-moi, je reviens. On me voit quand même. Non. Pardon. Bon. En vérité... en vérité, là, je sais plus. Hein. Léviat, ouais. Ah, t'as pas vu. Oh, mon dieu. La prochaine boucle, je t'amènerai si tu veux, vite fait. Juste pour voir à quoi ça ressemble. C'est tellement classe. Parce que vraiment, chaque planète a une spécificité visuelle et physique même, j'ai envie de dire. Mais là, ouais, non. Moi, je serais bien allé là, quand même. Hein. Y a pas d'autre moyen? Y a pas moyen? Ça sert à rien. Évidemment que ça sert à rien. Ne peut-on pas... Attends, peut-être que... si je... Ah non, mais attends. Il n'y a pas une entrée, là? Une entrance? Y a-t-il une entrance? Non. Non, non, on va juste bien se faire voir. Ah. 3 minutes d'oxygène. Have fun. Il y a des arbres ici, j'avais pas fait gaffe. Bah oui, mais les gars, vous êtes sympas, mais...
Il n'y a pas une petite... Mais... Je crois que je me suis TP là. What? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans la boîte? C'est enregistré là? Mais comment j'étais à l'extérieur de mon vaisseau? Mais quoi? Mais quoi? Attends, parce que du coup... Ça fait penser à un truc, c'est que finalement... Mais... Attends... Ah oh, mais je voulais... Mais bien sûr hein. Oh mais on s'en bat les couilles. Vite! Petite sortie dans l'espace. YOLO! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Aïe. Non, doucement. Approche-toi. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Ah, mais je suis venu, là. Je suis déjà venu. J'ai déjà fait la moule magique, ici. Aïe. Ouais. On va se calmer, là. On va se calmer tout de suite, hein. Mais oui, on a déjà fait ça. Oh non. Ah oui, ça tourne. Hop là. Est-ce qu'elle s'est épée? Parce que c'est impossible. Elle est sur Gravity. Merci pour l'oxygène, c'est gentil. Du coup, oui, comme là. Non. Comme ça. Je me trompais de bouton. Ah ouais, tout ça, on l'a fait. Est-ce qu'il y a des... petite tablette là. Ah, puis cette musique, hein. Je suis désolé, mais la musique. Pas pourquoi je suis désolé d'ailleurs. Je suis pas désolé. Aïe. Elle plafond. Elle fameuse au plafond. Bon, normalement, ça, j'ai fait. Hein. En vérité, ça, j'ai fait ça. Pourri. Non, je devrais pas avoir à vérifier, mais normalement, j'ai fait. De fou. Hein. Ah! Atterri. Pause. Comment ça? Ah, je peux le poser. Pourquoi? Parce que c'est dans l'espace?
Ah, je peux pas le poser. Bah, pardon, excusez-moi, je... Voilà. Ah, c'est fini. Paf, la pastèque. Et là, la lune, elle continue à bouger ou pas? La lune, elle est là. C'est quoi ça? C'est gravité, hein? Au secours! C'est beaucoup trop mystérieux, tout ce mystère. C'est trop bien. C'est trop bien. Terrible. J'ai envie d'essayer quand même. Il faut que je me rappelle comment on va. Attends. YouTube. Je reviens YouTube. Ne bouge pas. Bonjour YouTube. C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'étais pas sur la bonne scène. Puis tout à l'heure. Attends YouTube. Oh, c'est magnifique. Tu as vu un coca. Et tu le sais. Écoute YouTube, c'est la fin de cette petite aventure en réalité. Tu ne le savais pas encore, mais... Enfin, c'est plutôt nous qui ne le savions pas encore. Mais tu n'as rien raté. Nous avons bien discuté. J'ai fait visiter un peu le système solaire, mais toi, tu le connais déjà. Voilà. Je te fais des bisous, YouTube. On a quand même pas si mal avancé que ça, malgré le fait que... Je crois qu'il reste pas non plus 10 000 trucs à découvrir. Peut-être que si, mais je les connais pas. En tout cas, merci YouTube. On te fait des bisous. Tout le monde te fait des bisous. Tout le monde fait là-haut là. A bientôt pour l'épisode 7. Hein ? C'est le 6 là ? Ah ouais, c'est le 6 hein. Donc là, c'est le 7 après. Ah oui, il paraît que c'est ça. Des bisous YouTube. Ah, à bientôt. Ah ouais. Sois sage. Hein.